réponse. Mener au score comme ça de 3 buts d'écart, je leur avais dit, on a peut-être fait le plus facile, le plus dur ça va arriver parce qu'ils ont une possibilité de nous rejoindre en contre et physiquement avec des joueurs vraiment costauds aussi. Mais on n'avait vraiment pas par contre anticipé le power play, et ce qui nous a fait défaut. Et le power play c'est vraiment des relations entre les joueurs. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux et qu'on n'ait pas le temps de travailler ça aussi, ça nous a fait défaut. Et voilà, on perd le match sur les 4 dernières minutes. Hein. Parce que le plus dur, là où on ne doit jamais perdre, c'est à 4-2. On n'a pas d'excuse à se trouver, pour ne pas travailler ou travailler, peu importe, on n'a jamais le droit de le perdre ce match. Je vois quand même belle parce qu'il va falloir qu'on remobilise tout le monde, que tout le monde soit conscient que notre objectif c'est la montée. Et avant la montée, bien sûr, les barrages avec ces deux tours. Mais maintenant, je pense qu'on va avoir, connaissant le groupe avec l'expérience, une semaine, 15 jours de un peu compliqué peut-être, c'est après avoir parti. Le fait qu'on soit arrivé en 8e, ça nous laisse peu d'espace entre l'élimination et les barrages. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est-à-dire que les mecs vont devoir se remobiliser très rapidement.